Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Et vous allez trouver des choses étonnantes que je vous partage parce que je pense que ça peut vous intéresser. Chers amis, on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe. C'est unique. Ça se passe dans la belle langue de Molière et c'est ici sur YouTube qu'on se retrouve. Chers amis, on est le 17 avril 2019, 17h37 du Québec avec une histoire à abracadabrante qui nous provient, ça euh, s'est produit il y a quelques jours. Je viens de tomber sur la nouvelle et j'étais convaincu que c'était pour vous intéresser si vous ne l'aviez pas déjà découvert vous-même. La NOAA, vous connaissez cette fameuse, ag cette fameuse agence hein, qui euh, étudie les océans et le climat, ben, elle a des satellites et on a capté quelque chose de très étrange il y a quelques jours dans le ciel. Et je peux vous dire une chose, on va les voir ça ensemble. C'est des plus intrigants. Le mystère étant qu'un objet triangulaire hein, d'une longueur de 1500 km au-dessus de l'océan Pacifique a été vu et par un satellite et a plongé le monde du complot dans l'hystérie spectacle étonnant après avoir visionné un satellite de la NOAA, National Ocea, euh, la National Oceanic and Atmospheric Administration. Hein? Euh, des pleins pleins de gens qui sont habitués d'aller voir euh, et de suivre euh, les, euh, les découvertes de ces satellites-là, l'imagerie, des gens qui, qui suivent ça depuis des des années et des années, plus de dix ans, comme MR, euh, MRMBB333, que je suis depuis longtemps, il n'a jamais vu un phénomène comme celui-là en plus de dix ans d'analyse de ces images-là qu'il va visiter régulièrement. Et dans les images, on peut voir des... Euh, des nuages qui tourbillonnent au-dessus de l'océan Pacifique au large des côtes de l'Amérique du Sud, soudain, la formation semble se briser et révéler un énorme objet triangulaire noir. Il semble avoir la même taille que deux régions combinées, soit 1500 000. Le... Euh, on dit que ça s'est passé le 9 avril, selon la date du document de l'ANOA, et qu'il était visible en sol stationnaire au même endroit pendant 7 heures. Vous pouvez voir ce qui ressemble à un triangle au-dessus de l'océan visible par satellite, juste ici. Et euh, MRMBB333 nous dit, j'utilise euh, ce satellite de manière constante chaque année depuis 10 ans. Et je n'ai jamais vu rien de tel. Cela ressemble à un triangle pour moi. Cela pourrait être un artefact naturel, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai utilisé des centaines de fois cette, ce satellite-là et j'ai jamais rien vu de pareil. Cela ne rentre pas ça n'a pas l'air d'être naturel, le reste est des nuages. Et là mais c'est vraiment décalé, c'est quelque chose de vraiment étrange. Qui peut pas expliquer, le plus étrange, c'est tout ce que je peux dire au sujet à commenter. Euh, m b 33 333. Un triangle massif, nous disait un autre. Découverte très intéressante, tandis qu'un troisième déclarait « Cela me ressemble aussi, à, cela ressemble aussi à un triangle géant. Je crois toujours que c'est un projet du gouvernement secret. Hon » Honnêtement, là, vraiment, wow! C'est assez spectaculaire. On va aller voir ça ensemble, puis je vous laisserai le, le lien complet de la, la vidéo. Vous pourrez aller le, le visiter. C'est vraiment ce qui plus étonnant, vous allez voir. On peut voir ici la fameuse image du satelli satellite et comment on peut voir les nuages qui s'en vont et on voit cette forme hein, vraiment très très bien définie encore une fois. Donc vraiment étonnant, vraiment surprenant. Qu'est-ce que c'est c'est tout un mystère, chers amis. Hein? Tout un mystère. Et... Ça, c'est le, le, la chaîne en question. Hein? Et ça a fait le, le, tout un buzz sur le, sur le net, sur YouTube, parce que c'est vraiment étonnant, c'est bizarre, on se demande ce que c'est. Et c'est presque impossible de... Savoir exactement ce que c'est, on ne saura probablement jamais. Est-ce que c'est un projet gouvernemental, comme on pense hein, le, suggé le suggérer ici, selon des, des, euh, des internautes? Vraiment, vraiment très, très, très intriguant. Honnêtement, il y a de quoi faire des recherches là-dessus pour en savoir un peu plus. Je suis convaincu que vous allez me donner des liens, des. Des explications ou enfin vous aurez une hypothèse à nous partagée mais un énorme objet triangulaire filmé planant au-dessus de l'océan par un satellite à plonger le monde du complot dans l'effondrement total dans l'hystérie pas mal convaincu que ça vous intéresse comme histoire et je vous laisse le lien vous irez voir ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose